Derrière le comptoir, dans un petit coin, il y a un briquet, un paquet de brunes, un vieux Mickey, un verre de prune, et des histoires, un peu de soleil qui vient chauffer le cuir du caille et des ardoises, et les vieilles douleurs de Françoise qui sert depuis 20 ans au moins. Derrière le comptoir, il y a une radio pour que le patron écoute le tour. On parle de tout, rarement d'amour. On refait l'histoire, on refait l'histoire. Parfois, il y a le ton qui monte un peu, mais pas plus haut que le bord du verre. Sinon, Françoise, d'un air sévère, nous remet en place comme des idiots. Derrière le comptoir, il y a la patronne qui, entre deux, bon appétit, gère les entrées et les sorties. Faut pas d'histoire, faut pas d'histoire. On rigole pas avec la caisse. Et la petite dame, ça lui a plu. Vous avez vu comme il a plu, ça va faire monter la Garonne. Derrière le comptoir, l'air tout flappy, y a un vieux chien qui a fait son temps, qui aboie même plus et qui attend, sans faire d'histoire, sans faire d'histoire, que quelqu'un lui lâche une caresse. Alors seulement, il remue la queue, avec des larmes plein ses gros yeux, puis s'en retourne sur son tapis. Derrière le comptoir, sur un pan de mur, il y a des photos, des cartes postales, de clients partis dans le Cantal. Et pour l'histoire, il y en a même une qui est pour le chien. Lui, il s'en fout, il sait pas lire, il lèche le timbre et puis il se tire, il doit penser que la vie est dure. Derrière le comptoir, pour les vacances, il y a la gosse qui donne un coup de main, qui fait des études assez loin. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Je sais qu'en septembre, elle repartira, laissant un vide dans l'assommoir. Moi, j'attendrai derrière le comptoir. Que passe le prochain Tour de France ?